Tu habites où en ce moment ? À Villejuif, dans un hôtel social. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter comment, quelle était ta vie avant ? À quel moment elle a basculé ? Et maintenant, quelle est ta situation au jour d'aujourd'hui ? Alors, très très compliqué. Les conséquences qui m'ont amené dans la rue. Comment dire, Il y a pas mal de causes à effet qui ont fait que... C'est tellement compliqué que j'ai difficile à trouver les mots. Ouais. C'est relations avec la famille. Ouais. Surtout qui m'ont... Je me fais prendre une décision, si tu veux. De prendre des distances par rapport à... Ce milieu qui me semblait un peu difficile à vivre. Et ça fait 5 ans que je suis. Je me suis mis à l'écart. Quoi. J'ai quitté mon pays natal, qui est la Belgique. D'accord. Et ensuite, je me suis retrouvé en France et j'ai pas mal. J'ai pas mal voyagé dans diverses villes, dans des situations extrêmement précaires. Hein. D'accord. J'étais logé chez l'habitant. Mmh. J'ai eu cette chance-là, une opportunité. Puis ensuite, j'ai voulu retrouver mon indépendance, donc j'ai pris la décision de changer d'endroit. Avant de venir ici à Paris. Hein, D'accord. Donc, il y a eu des foyers. Beaucoup de foyers. D'accord. Et le dernier en date, c'est... Je vais citer le lieu. C'est la Mie de Pain. Je suis resté 2 ans. Puis il y a... puis la réinsertion. Je recherche un emploi... D'accord. Et me voici à l'hôtel social. Voilà. D'accord. Et du coup. Okay. Donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, tu es dans un hôtel social. Voilà. Oui. Ça fait combien de temps que tu es arrivé en France ? Ça fera 5 années. Ça fait 5 ans. D'accord. Et du coup, est-ce que depuis, tu as toujours été dans une situation un peu difficile, un peu précaire, dès ton arrivée en France ? Ouais. Ouais. C'est une décision. J'ai pas demandé de l'aide à la famille. Je me suis pris en charge. Et, d'accord. Je dirais pas que la solitude n'est pas pesante, mais elle est peut-être bénéfique. Ça m'a aidé dans beaucoup de choses, d'être seul, de connaître la difficulté. La précarité, pour moi, ça m'aide à m'aider à renoncer à pas mal de choses, vraiment, aux choses futiles. Avant, je trouvais pas ma voie, donc c'est peut-être encore tout aussi précaire, finalement, même quand on ignore peut-être qu'on n'est pas, sur la bonne voie. Or, en trouvant, en connaissant la précarité, précarité, puis la solitude, on cherche, autre chose, comme tu dis, on va vers l'essentiel. Voilà, les choses essentielles. Les choses essentielles. Voilà. Ma part, les choses importantes, les choses essentielles dans la vie. Ouais.
Pour ma part, j'ai pu travers une association évangéliste. On y est, hein, sur la mission des évangéliques des Scientologies. Évangéliques des Scientologies, place Sainte-Marc. On était ici il y a 5 ans. C'est les premiers à m'avoir accueilli. D'accord. Donc ça veut dire que depuis 5 ans, en fait, tu viens ici, tu fais compte. 5 ans, j'écoute la parole, puisque les cultes, les dimanchoirs, les réunions bibliques, les mercredis après-midi, donc tu, en conséquent, on est, tu écoutes la parole. Oui. D'accord. Okay. Je suis habitué à écouter la parole. Et ça m'a fait du bien. Et ça, voilà. Pour toi, quelle était en fait ta relation avec Dieu avant de fréquenter justement cet endroit de la mission des Scientologies? Très lointaine. Très lointaine, d'accord. Donc cette notion de Dieu, en fait, elle était très lointaine pour toi. Est-ce que tu pouvais quand même pouvoir penser... est-ce que ça t'arrivait plutôt de te poser des questions sur Dieu quand, avant d'arriver dans cette structure? Il était très loin. Il n'ignorait pas, mais il paraissait inaccessible. D'accord. C'est le sentiment qu'on a souvent quand on est... Quand la parole nous est pas enseignée, si on fait pas de démarche. Donc toi, j'ai connu extrêmement. J'ai connu les angoisses de la solitude sans Dieu. Vraies angoisses, quoi, de peur, perdu, si tu veux. Voilà. Oui, la peur, évidemment. On peur, se croit perdu. D'accord. Totalement perdu. Donc du coup, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu te disais? À quoi tu pensais quand tu étais dans cette situation où tu te sentais seul, tu te sentais perdu, tu te sentais en plein stress, en pleine peur, en fait? Quel était le cri de ton cœur, en fait? La délivrance, la liberté. J'ai toujours eu, été en quête de liberté. En quête de liberté. En quête de paix. Mais je ne la trouvais pas. Je ne la trouvais pas sans la parole. Je ne la trouvais pas. J'aimais les relations humaines et je me suis rendu compte que je me suis trompé, en fait. Au lieu d'exprimer un amour inconditionnel à notre Dieu, Amen. Je l'ai exprimé par envie, désir d'être aimé, des hommes, d'être reconnu. Et hélas, j'ai connu que des déceptions. D'accord. Et ça m'a amené, ça m'a conduit à la précarité. D'accord. Les conséquences accumulées m'ont amené à ça. J'ai peut-être voulu, je ne sais pas si c'est inconscient, mais et sans regret, parce que je me suis reconstruit dans cette situation. D'accord. Donc ça t'a permis, en fait. Avant d'en arriver, quand tu as connu donc la mission des Scientologies à Place Sainte-Marthe, est-ce que tu as, en écoutant la parole, parce qu'en fait tu as dit justement que tu écoutais la parole, tu étais béni depuis 5 ans donc dedans, quelle transformation, qu'est-ce que ça a produit dans ton cœur, en toi? Est-ce que ça a pu t'abreuver? Est-ce que ça a pu remplacer cette solitude que tu avais dans le cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est comblé par les enseignements que je reçois, réguliers. J'en Amen. Ai besoin. Amen. Je ressens cette avidité, cette soif. Cette soif, cette faim. J'ai cette chance-là de recevoir. L'intelligence que je n'exploitais pas bien. À l'époque, mon intelligence, je la remets à Dieu. Amen. Et c'est... Amen. C'est vraiment salutaire, en fait. Amen. Amen. Et, je suis content. Voilà. Oui. Alors, en parlant de délivrance, s'il y en a une, c'est qu'enfin, je sais que cette intelligence lui est confiée. Écoute et intelligence lui est confiée, maintenant. Et, voilà. C'est une démarche contraire à celle que j'ai connue et qui me... D'accord. Et du coup,
ça te maintenant au jour d'aujourd'hui, si tu veux faire justement une comparaison, quels sont les adjectifs que tu pourrais employer, quels sont les mots que tu pourrais employer pour comparer ton avant et maintenant ta relation avec Dieu? Du réconfort, même si j'éprouve le sentiment étrange d'être seul, de vivre un abandon avec les hommes, j'éprouve en moi le réconfort Amen. d'une consolation. Mais j'ai encore besoin, ce besoin permanent d'être rassuré par le biais La parole l'évangile de l'évangile, et des enseignements. Des enseignements, voilà. Voilà. D'accord. C'est permanent. J'ai besoin. D'accord. Bon. Ça m'aide à supporter là. La solitude. Voilà. D'accord. Est-ce que des fois est-ce que tu as eu un recours plus ou moins passager, je dirais, puisque voilà, pour pouvoir combler cette solitude? Est-ce que parce qu'il y a certains en fait qui peuvent utiliser l'alcool pour combler la solitude, pour même noyer la solitude, la drogue, les femmes, tout ça, mais est-ce que tu as eu un recours ou autre? Non. Pas de dépendance. Seule dépendance, c'est Jésus. Oui. Même avant, voilà. Ouais. Je souffrais. Mais je la comblais pas par ces addictions. D'accord. Souffrance, c'est vraiment. Ouais. Et solitude, et sans avoir recours à ces diverses addictions. D'accord. Ok, d'accord. Je suis par essence quelqu'un de dépendant, D'accord. et en recherche de quelque chose. Ok. Et je la comble quotidiennement par la parole. Heureusement, voilà. J'y parviens. Amen. Bon, non, mal an. Malgré toutes les difficultés, mais je comprends désormais qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Sans souffrance, sans difficulté de la vie, il n'y a pas de. On n'établit pas une vraie relation, quoi. Exactement. Donc, je pense même que, tu vois, ça t'a permis. Cette situation t'a permis en fait de faire la rencontre du Seigneur, voilà, d'en rencontrer en fait la personne de Dieu qui pouvait justement te faire effacer cette solitude, que même cette déception, cette trahison que tu as pu connaître, et puis pouvoir te tendre la main. Toi, tu as saisi cette main, tu as saisi la main de Jésus, ouais, par l'Évangile, oui, en acceptant la parole de Dieu, oui, voilà. Donc tu as fait cette expérience. Parce que j'ai compris dans l'évangile qu'il fallait, si je voulais avoir une relation authentique avec le Seigneur, il fallait être prêt à abandonner les amis, la famille, pour avoir une relation intime avec Dieu. Vraiment, c'est vraiment ma quête, quoi. Donc tu as soif de sacrificiel, je ne sais pas si c'est le Père demande, le Seigneur me demande une relation sacrificielle. Je crois que je suis dans cette démarche-là. Oui, 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 bien. Mais je le dis en toute modestie, hein. Oui. Mais au fond de moi, oui, je pense que c'est très fort. C'est merveilleux. Je connais pas le je sais pas. Je vis jour le jour. Oui. D'accord. Pas avant. J'apprécie chaque jour et avec l'espoir d'être. Oui, cet espoir qui demeure en fait. Hein. Amen. Ouais. D'accord. Ah ouais, non, c'est merveilleux ce que.
Ce que tu dis, c'est merveilleux. C'est vraiment ça. C'est... Ouais. Comment tu trouves-tu cette vie dans la rue? Peut-être je vois une autre réalité que celle que l'on voit dans le monde. Dans la société, quoi. Toute autre réalité plus brute, plus évidente. Oui. Mais c'est peut-être une bonne solution pour moi. Personnellement, c'est une solution. Dans le prendre du recul. Et là, depuis, tu vis une relation avec le Seigneur, avec Jésus. Et plus en plus personnel. C'est plus en plus personnel. Choix, d'accord. Les conditions me permettent, des conditions difficiles. Ok, d'accord. Je ne serais pas perdu. On arrive à ce stade, si ma vie serait tout autre. D'accord. J'ai été dans le confort. Comme j'avais tendance à me complaire. Donc ça t'a permis, ça t'a vraiment permis, en fait, le Seigneur a utilisé ce moyen pour voir, en fait, que t'attirer à lui, te faire entendre justement en étant loin de la famille, ça m'a motivé, encouragé, vraiment. D'accord. Et cependant, je prie pour la famille. Amen. J'éprouve de la peine, mais c'était une solution. C'était la seule solution. D'être courageuse. J'espère que ma famille se connaître cette joie. Cette joie qui vient de ce Dieu, ce bonheur qui vient de ce jour, cet amour même. Et du baptême, parce que ouais. Je l'ai pas, j'ai pas annoncé, je me suis fait baptiser. Cette année. Ah oui. Spécial, je crois. Ah oui, félicitations. Gloire à Dieu. Je suis fier. Voilà. C'est merveilleux. J'avais cette envie de. Oui. C'est paix, d'avoir une vraie relation, je l'ai prouvé par. Par le Seigneur. Par cette. Oui, par ce geste. Ouais. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, la relation avec le Seigneur. Donc au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es enfant de Dieu? Ah oui, ouais. Ah oui, parfaitement. Est-ce que tu peux aussi, amen. Est-ce que tu peux également confirmer en fait que Dieu veut et peut également toucher des personnes qui sont dans des situations précaires? C'est pour ça que je le fais, même si c'était. Voilà. C'est pour ça que voilà. Je témoigne aujourd'hui. Voilà. Même si je n'ai éprouvé pas l'envie, le courage, je le fais parce que j'ai prié. J'ai prié pour que le Seigneur m'inspire. Pour le plus. Pour le plus sincère possible. Quand les autres sont malheureux, non pas. Connaissent pas les joies de la guérison. J'ai beaucoup de peine, quoi. Donc j'espère qu'un témoignage peut permettre la guérison des cœurs, sensibiliser des amis qui sont trop durs. Je vais pas trop me plaindre, moi, parce que c'est trop dur en ce moment. Les moments deviennent de plus en plus durs, donc d'autant plus important de témoigner. Il faut sans hésitation. De cette vie cette vie changée, cette vie transformée. Ouais. Maintenant, en gros, je pourrais même te dire en fait que tu n'es plus seul. Et Jésus avec toi. Absolument. Oui. Ouais. Ouais, oui. Absolument. Amen. Oui. Ouais. Amen. Donc on va clôturer. Je te remercie vraiment. Puis
plaisir. Que tu sois béni. Que tu te gardes encore et te fortifie et t'encourage encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir venu vers moi. Je n'ai pas fait des marches de fierté. Et je me dis aux amis qui nous écoutent, à bientôt. Break every chain.